Avec les éditions des musées de la culture de NC Europe, nous sommes heureux et honorés d'accueillir la peintre Isabelle Gély et surtout son exposition hommage intitulée Au-dessus du réel éloigné. Une question, est-ce qu'il y a une différence entre l'abstrait et le surréalisme? Voilà. Je me suis posé la question de savoir s'il y avait une différence. Pour moi, l'abstrait, c'est un peu s'éloigner de l'image, du concret. Le surréalisme, pour moi, c'est plus un langage intérieur. Voilà, où on va exprimer plus qu'avec des taches de couleurs, on va exprimer avec des signes, avec tous les symboles qui vont sortir, et voilà. Mais ça se ressemble vraiment, abstrait et surréalisme, c'est très proche. Vous avez une technique à la spatule, au couteau. Est-ce que cette technique vous permet d'aller plus loin? Oui, tout à fait, oui, parce que c'est du gestuel. C'est ce gestuel qui est systématique, qui part, voilà, comme ça, sans maîtrise. Donc je ne maîtrise pas mon gestuel. Et oui, ça sort, c'est des sensations que j'ai au fond de moi qui vont, voilà, ça peut être des traits, ça peut être des superpositions de couleurs, ça peut être voilà, des espaces, voilà, ça part, sans maîtrise. Ben, moi je découvre l'œuvre le lendemain, le surlendemain, quand je suis dedans. C'est un peu contraire aux règles académiques où il y a des règles, hein, des règles de dessin ou des règles. Là, on lâche tout ça et on ne sait plus vers où on part, quoi. C'est vraiment ce langage intérieur qui va remonter à la surface et qui se traduit comme ça. C'est vraiment de l'inconnu, c'est au-delà presque du mystère, quoi. C'est ma recherche, peut-être ma recherche personnelle qui m'a amené à ça aussi.
Donc, je voudrais vous dire que je suis très heureux aujourd'hui donc, d'accueillir Isabelle Gélie pour cet hommage international que nous réalisons pour le surréalisme abstrait, donc, comme on en a parlé précédemment. Isabelle Gélie, qui est une artiste qui travaille sur ce domaine du surréalisme abstrait depuis des années, bien entendu. Tout d'abord, on tient à vous remercier au nom des éditions des Musées de la Culture, des éditions EDMC, pour donc cet apport que vous faites par cette exposition magnifique, qui est une exposition d'hommage sur le surréalisme abstrait, où il y a effectivement une diversité de tableaux qui nous permettent de mieux comprendre ce surréalisme abstrait.